À bientôt. À toutes et à tous. Vous connaissez la formule. À demain. Actuellement, les formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Diversité et pour une consommation responsable. Vous êtes une association, une ONG, un organisme à but non lucratif. Bénéficiez d'une campagne publicitaire gratuite sur les antennes de Radio France en... Vous avez jusqu'au 14 mai pour déposer votre dossier et être l'un des 8 projets retenus. Radio France s'engage pour une publicité plus verte sur ses antennes avec l'opération Transition en commun. Toutes les informations sur radiofrancepub.com. N'hésitez pas à vous abonner au podcast du jeu des 1000 euros et au compte Instagram également. France Inter, il est 13h. L'information, c'est le 13-14 avec Bruno Duvic. Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, Rio ne répond plus. Les derniers vols directs entre Brésil et France sont arrivés ce matin à Roissy. Liaison suspendue jusqu'au 19 avril pour lutter contre le du Covid. Plus largement, quelles règles, quels contrôles aujourd'hui dans les aéroports? On voit cela dans un instant. Combien de morts du Covid en France? 99 000 selon les chiffres de Santé publique France. Bonjour Hélène Chevalier. Bonjour. Ce chiffre est certainement sous-évalué, Hélène. Oui, car c'est sans compter les morts à domicile ou dans certains services hospitaliers. La barre des 100 000 morts aurait déjà été franchie il y a plusieurs semaines. Le Covid et ses conséquences sur... Des frais liés au télétravail peut-être exonérés. Détails pratiques avec Hélène Philly alors que la campagne 2021 des impôts a commencé. Dans l'actualité encore, la petite Mia toujours introuvable vers un retrait coordonné des troupes de l'ONU. Un attentat qui ne sera jamais jugé, celui de la gare Saint-Charles à Marseille, c'est une information France Inter. Et puis projet de loi pour rétablir la confiance dans la justice, présentation aujourd'hui. Et vos interventions que j'attends au 01 45 24 7000, qu'est-ce qui mine ou renforce votre confiance dans la justice? Des procès filmés, comme le prévoit le texte, qu'en pensez-vous? Notre invité à 13h30 est le magistrat essayiste Denis Salas. Vos rendez-vous dans le 13-14, la chronique cinéma du mercredi, des classiques aujourd'hui avec Corinne Pellissier, le vif de l'histoire. Nouvelle chronique sur la commune avec Jean Lebrun. La météo, le gel qui fait du mal aux agriculteurs, mais certains ont des méthodes discutables pour réchauffer les cultures. Dans le sud-ouest du Tarn, on brûle de la paille. C'était difficile de respirer. Moi, j'étais réveillée dès 14h du matin. En fait, les fumées sont introduites à l'intérieur de la maison. Alors, je comprends tout à fait que les arboriculteurs protègent leur verger. C'est normal, mais il faut le faire avec d'autres méthodes. Un reportage Stéphanie Glésis avant la météo. Et puis, c'est une chanson avec Frédéric Pommier et Lilian Thuram. Nous chanterons Bella Ciao, le 13-14. Vous avez le programme, c'est parti. France Inter. S'il en avait l'intention, Neymar ne pourra pas rentrer dans son pays, prendre quelques jours de repos. Après la qualification hier soir au Parc des Princes, les vols entre Brésil et France sont suspendus jusqu'au 19 avril. Transport de marchandises excepté. Fermeture des frontières pour empêcher le variant P1 du virus du Covid très contagieux de s'installer en France. Il ne représente aujourd'hui que 0,5% des nouvelles contaminations ici. Mais il fait des ravages au Brésil et il a déjà gagné une bonne partie de l'Amérique du Sud, du Nord et de l'Allemagne. Bonjour Faustine Calmel. Bonjour. Faustine, les derniers vols Sao Paulo-Paris et Rio-Paris se sont posés ce matin à Roissy. Et les passagers ont débarqué pas très frais après 11 heures de vol, mais soulagés comme François de fouler le sol français. J'étais déjà à l'aéroport quand la mesure a été annoncée, puis tout est conforme au niveau des horaires, etc. Mais bon, c'est vrai que tout le monde a un peu paniqué, quoi, savoir est-ce que le vol allait être maintenu, est-ce que c'est un des derniers. Je suis ici, donc l'essentiel est là, quoi. D'autant que certains se sont rués sur ces deux derniers vols. Aurélien a pris son billet en urgence à l'aéroport de Sao Paulo. On a dû se rendre en fait au guichet d'Air France parce que l'application a saturé, je pense. Du coup, on a dû prendre un billet plein pot pour
rentrer ce matin ici. L'impôt, c'était 811 euros. Le prix du retour avant de se placer à l'isolement 7 jours. Pénélope, qui visitait de la famille à Rio, est prête à s'y plier. Je vais m'isoler chez moi. Moi, je vis seule, donc je vais m'isoler chez moi. Et à l'issue de ça, faire un test PCR avec recherche de variants. Je reprendrai le boulot à la suite de ça. On nous a fortement conseillé, c'est pas une obligation. Maintenant, on nous a tous dit qu'on devait le faire. Des incitations donc, mais pas de contrôle. Du coup, certains passagers avouent qu'ils sortiront quand même, rassurés par leurs deux tests négatifs, PCR au départ et antigénique à l'arrivée. Est-ce que cela signifie, Faustine, que plus aucun voyageur en provenance du Brésil n'arrive en France? Eh bien non, parce que si les vols directs avec Paris sont suspendus, rien n'empêche de passer par une autre grande ville européenne, Francfort, Zurich ou Madrid, souvent avec isolement à l'arrivée. Il est aussi possible de faire escale dans une ville des États-Unis, Miami, Houston. Et puis reste le cas de la Guyane, frontalière avec le Brésil. Le variant brésilien y est aussi très présent et les vols en provenance de Cayenne sont maintenus. Bonjour Xavier Tittelmann. Bonjour. Président de l'aviation NXT, consultant aéro. Quelles sont prises hein? J'ai le végétarien. J'aime beaucoup cuisiner, mais j'aime pas y passer des heures. Les conséquences pour la santé des particules fines dues au chauffage au bois. Les gros, tous les gros produisent hors d'Europe. L'homme dont vous parlez, qui a donc violé cette jeune femme Anne-Lise qui a 17 ans, il a été olympique. Et tout le problème vient de... Ce qui détermine ensuite le montant de l'allocation. À partir du 1er juillet, les jours non travaillés seront également pris en compte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est... de l'épuiser, et puis enfin moi j'ai peut-être tendance à vouloir forcer en fait la politisation de l'énoncé, mais c'est surtout que effectivement très peu de personnes vont faire un diagnostic à la fois de leur vie individuelle qu'ils vont rapporter à l'état présent, à notre époque, à l'état de notre société quoi. Et j'appelle ça moi de l'infra-politique au sens où effectivement on n'a pas cette critique dans le lexique auquel on s'est habitué. Il y a plein de points de cette réforme qui me vont bien. Ces deux points-là me posent vraiment deux gros problèmes.
1, 2, 1, 2, 3, 4. So Sergeant Pepper took you by surprise. Thank you.
Salut Graoui. Vous en parlez par lui, Graoui, ça vient probablement de mon problème, je suis écrasé.
À bientôt.